Ce résumé vous est proposé par Heineken et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League. Jouer la bonne interception, je pense qu'ils vont devoir se méfier de nouveau de ces situations de reconversion. On le voit ici, ça c'est va très vite, fait, Mathieu. C'est pas mal fait, Luis Diaz encore, il y va seul. Oh, c'est superbe, et c'est but. Luis Diaz, quel numéro fantastique de la part de Luis Diaz. Quel but d'anthologie, Alex Teclac, c'est superbe ce que Porto vient de faire là. Vraiment. Quel grand numéro. Mais vraiment, mais le temps passe et on voit que City est incorrigible. Parce que franchement, je vous disais, en amorce de cette phase, on le voit ici sur cette relance, trop facilement intercepté que le danger. Regardez d'où il part. Ouais, le problème, c'est toujours ces situations de transition qui sont très difficiles à gérer. Je le disais tout à l'heure, c'est presque trop facile. Quand on voit la manière avec laquelle, du côté gauche, il parvient à transpercer en diagonale toute cette défense de City. Avec plein axe là, Gundogan pour aller chercher l'égalisation, Gundogan ou pas. Oh, le but est vide et il y a un sauvetage à même la ligne. Sarr. Superbe, Malang Sarr. Et que dit l'arbitre, pénalty. Il donne le pénalty, il y a une main qui a dû traîner. Alors, ça s'est passé. C'est ici. Ouais, là, il est de fond. Pourquoi il se jette de la sorte, Pep? Allez, il a 37 ans, avec toute son expérience, Alex. Bon, après, sévère quand même. Hein. Voilà un garçon qui a énormément d'expérience. Il n'y a pas de raison de louper le péno. Et pourtant, ça passe. Mais c'est tout juste. Hein. C'est tout juste. Sergio Agüero pour le 1-1. Eh bien, dites-moi, 20 minutes dans cette partie, il s'en est déjà passé des choses entre Manchester City et Porto. Oui, tout à fait. Écoutez, voilà, sans avoir vraiment non plus d'occasion, c'est vrai qu'on peut comprendre la frustration de Pep. Sergio Conceição, à l'image, toujours... aussi oh là, attentif à ce qui se passe, mais par contre là j'ai pas du tout compris non seulement la relance mais ce mauvais choix de Matteo Churibe. Il doit contrôler, il doit s'appliquer au moment de frapper. Bah oui. Allez, 3 minutes encore dans le temps réglementaire. Le FC Porto dans le camp de Manchester City. C'est une occasion de but. Ça va rentrer. Non. Le sauvetage à même la ligne. Quelle occasion pour Porto. Ça doit être but, ce genre de situation. Il y avait Moussa Marega. Est-ce qu'il ne devait pas tirer là? Non, je crois qu'il fait très très bien. Avec ici... du côté de Manchester City, eh bien cette action intéressante, hein, ça vous fait rire et ça ne la fait pas rire du tout du côté de City puisque Gundogan est tout proche du 2-1. Ouais, c'était bien, très bien joué. Enfin une infiltration de Gundogan dans les 16 mètres. Ouais, il a laissé beaucoup d'espace à Marquezine. Non, c'est Gundogan. C'est Gundogan. Et ça rentre, on le disait, Alex Teclac, c'est super ce qu'il vient de faire parce qu'il va chercher l'espace. Maintenant, Marquezine a laissé trop d'espace. Moi, je trouve honnêtement, je ne suis pas un spécialiste des gardiens, mais là, ça me paraît tellement criant. Il ne devrait pas y avoir de soucis pour les hommes de Guardiola. On a franchement l'impression qu'ils ont tout en main avec ce petit ballon qui est bien négocié. Ça va rentrer, ça, c'est superbe. C'est 3-1 et c'est plié cette fois-ci. Il faut bien le dire. 3-1 et un but franchement remarquable dans sa conception. Non mais Mathieu, ce qui est extraordinaire... C'est Torres en plus qui va demander. Mais c'est Foden aussi. C'est Foden et c'est Torres. C'est ce que je voulais vous dire. Bien fait ça vers Sterling, le capitaine. Et le poteau, je pensais que l'arbitre allait intervenir, mais pas du tout. Il avait le sifflet en bouche, mais il n'a pas sifflé.
ce duel entre Pep et Sterling. Décidément. Ils ne se sont pas quittés ces deux-là. Ouais, mais je pense que là, ils lui ont vu aussi pour le pénalty. Parce que là, il y a matière à discuter hein, par rapport à son geste là, de Pep. On revoit cette frappe lointaine, elle était splendide vraiment. C'est Rodri hein, qui a tenté cela. Ouais, bien dévié hein, par Marquezine, en fait, qui a un tout petit peu avancé finalement, qui fait ce qu'il faut. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League.